Yo tout le monde, c'est Scrito. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo de Soul Knight. Voilà. Alors dans cette vidéo, vous verrez du gameplay, j'espère jusqu'au boss final. En rapide, hein, avec des commentaires. Enfin. Voilà, ce sera en mode rapide et je remettrai en mode normal quand il y aura des éléments importants comme des combats de boss ou dès que j'ai des objets rares ou des trucs comme ça. Donc je vais directement prendre les bonus que j'ai dans mon jardin. Donc avec les trois arbres. Voilà. Ces trois résistances, elles sont très importantes. Et la plante du diable. Alors comment ça marche ça? Ça, je sais pas du tout. Bon, je sais pas, c'est bizarre. Ok, une AK. Mais bon, je vais pas trop utiliser. J'utilise plutôt les armes qui coûtent zéro. Voilà. Donc c'est parti. Du chevalier hein, d'attaquer deux fois plus vite. Voilà, donc étoile déchue, c'est sympa à utiliser. Voilà. Ok. Donc je vous reprends dès qu'il y a un truc sympathique. Alors nous voilà pour le deuxième boss, c'est-à-dire le grand magicien. Donc lui il va envoyer des rayons et des salves de tir. Donc il faut essayer de se cacher derrière les lumières. Voilà. Donc j'ai déjà bien affaibli. Peut-être qu'il met son rayon si on est de l'autre côté. Aïe. On peut essayer de le taper pendant ce temps. Ça, c'est les balles qui rebondissent. Donc, c'est très très dangereux. Aïe. Aidez-moi à partir. J'aimerais juste que mon bouclier se régène. Et avant de le recombattre, ce serait bien que mon bouclier régène. Voilà. C'est ça. Dès que j'arrive, il me fait une attaque. En fait, ça passe à travers les lumières, ça. Bon, moi, vous voyez, ça, je le savais pas.
Oui, par contre, j'ai plus qu'un point de vie. Ah! C'est bon, j'ai tué. Mais il me reste plus qu'un point de vue, mais comme j'ai, comme vous pouvez le voir là, l'amélioration du vampire, ça fait que si je tue des gens, je peux regagner de la vie. Voilà. Donc, les trois compétences là, elles sont nulles. Voilà. Voilà, alors on se retrouve pour le boss final, qui sera Zulan le Colosse. Donc lui il est plutôt difficile parce qu'il va pouvoir tirer. Aïe. Ah. Oh, c'est double esquive. Bon. Il va pouvoir tirer avec ses robots. Du coup, vous voyez déjà que j'ai plus de bouclier. Pour ça que les barres ici c'est très important. Non mais là je vais me faire défoncer. Attends, j'aimerais juste regagner mon bouclier. Faut tout le temps esquiver. Allez le bouclier, régène-toi. Allez, 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 allez. Bon là ça va, il me voit, je suis plus en visuel. Bon ben, je suis mort, mais bon, on peut regarder une vidéo ou payer. Bon, je vais regarder une vidéo hein, quand même. Là par contre, il devient encore plus vénère. J'aimerais juste avoir ma compétence. Voilà. Ah ouais, c'est du violent ça. Ok, donc il a plus beaucoup de vie. Je peux essayer de le finir rapidement. Vous voyez, comme il est prêt, il se prend les dégâts des marteaux. Enfin, du marteau. C'est bon, il est mort. Donc un fragment de Zulan, des pierres, des pièces et un fragment de magique bleue. Ça permet de faire des armes. Voilà. Et donc là, c'est la fin de l'aventure, on est au monde 3-6. Et là, on a récupéré la pierre. Voilà. Voilà, donc la vidéo elle touche à sa fin. J'espère que ce format vous a plu. C'était Scritéo, et je vous dis à la prochaine. Peace!